Hola Sport, bonsoir tout le monde. N'a venu pour nous décrypter, commenter et analyser tout ça qui est fait dans le sport. Eh bien, pas rater Hola Sport chaque soir à 8h sur Télé Soleil. Quatrième sortie Hola Sport, c'est Kounia sur Télé Soleil. Nous comptons rejoindre nous pour nous capables pour un nouveau numéro. Moi avec Coach Nato, chaque soir à 8h, nous avons rendez-vous pour nous capables de décortiquer l'actualité sportive. Pour Coach Nato, bonsoir, comment est-ce? Bonsoir, Lord, nous en forme grâce à Dieu. Bonsoir tout le monde. Voilà, actualité sportive là, est dominée par l'équipe Real du Cap là, pendant que nous parlons là. Cap joué dans le Caribbean Cup là, dans le pays Jamaïque, Real du Cap qui a joué contre l'équipe Police FC. Qui sorti dans le pays Trinidad, alors qu'il y a en même temps tout, il y a une équipe Wana Metlan, les mêmes Bokote Pal qui a joué contre l'équipe Port of Spain, qui sorti dans le pays Trinidad. Information fait qu'on est l'État central, a subventionné l'équipe Wana Metlan avec 1 million goud. Pour ça, tout, nous pourrons parler de l'équipe Real de Madrid, gagne tout et ancien latéral équipe Real Madrid, qui c'est Roberto Carlos, qui baille. Pour lui-même, c'est un joueur qui est plus emblématique en de l'équipe madrilène. Gagné Cristiano Ronaldo hier, il s'est fait buzz sur réseau social yo côté, il a lancé une chaîne YouTube dans moins que 24 heures de temps. Cristiano Ronaldo est en recevoir plaque YouTube li, puisque chaîne là est en fait et environ 10 millions abonnés, c'est pas détolé et causé ça pas fait hier à cause que Cristiano Ronaldo créé un chaîne YouTube et chaîne ça Ronaldo qui mettait sous li et plusieurs documentaires qui parlait sous la ville avec la vie et famille. À ce pour nous finir, nous pral parler de Gundogan qui officiellement retourné à City. Information fait connait yo même getan well t'a parlé avec Pep Guardiola pendant environ 50 minutes. Information ça yo avec un pilote pour elle fait essentiel dans quatrième parade Hola Sport pour assoya après pause là. Désormais, vous avez plusieurs options pour regarder Télé Soleil. Un nom de clair sur la chaîne 25, sur le bouquet Télé Haïti, mais aussi sur New TV. Pour les accros des réseaux sociaux, suivez-nous sur notre page Facebook Radio Télé Soleil et notre chaîne YouTube Radio Télé Soleil. Amis de la diaspora, vous pouvez nous regarder sur HLN ou télécharger l'application de Radio Télé Soleil sur Google Play Store ou Apple Store. Eh oui, le soleil se lève partout. Partout. Bienvenue mesdames, messieurs, dans le développement Hola Sport sur Télé Soleil. Pendant nous avons parlé là, Real du Cap li a joué dans le Caribbean Cup là qui a organisé dans le pays Jamaïque. Nous avons recevoir un match football ça ici en Haïti. Mais nous connaissons depuis quelques temps qui gens conjonctivement et instabilité politique, gagne insécurité dans le pays. Ça qui cause pas qu'à gagner football qui joue dans le stade national Silvio Cato. Ça qui permet l'équipe Real du Cap là obligé à recevoir un match football Lyon dans l'autre pays. De même pour l'équipe Wana Metlan, les mêmes tours qui obligé recevoir l'équipe la joue avec l'IA dans la question Caribbean Cup là en République Dominicaine. Bon côté Real du Cap, nous voyons comment le calendrier est exactement et Coach Nato, puisque dans le moment où on a parlé là, Real du Cap la joue contre l'équipe Police FCA qui sortit dans le pays Trinidad. Effectivement, Real vient pour jouer avec Police FC de Trinidad jeudi en même. Et puis, il y a Cavaliers de Jamaïque qui a gagné comme deuxième match. Li. Et troisième match, là, c'est Arnett Gardens, qui est un très très bel adversaire. Mm-hmm. Et normalement, le 3 octobre, il y a MT Pleasant que le supposé rencontrer. C'est l'adversaire Lio pour Caribbean Cup. Là. Et nous n'avons qu'à souhaiter que Real, effectivement, font une belle compétition. Parce que c'est important pour l'image du football pays. Oui, malgré que tu quittes le pays, il y a une circonstance qui est vraiment regrettable. Côté de ta parler sur ça, le fait que l'équipe a des difficultés pour quitter Haïti pour traverser le pays Jamaïque à cause de problèmes visa jamaïcain qui n'ont pas recevoir. Et l'équipe a arrivé à quitter le pays sans visa jamaïcain, c'était une lettre
CONCACAF te voye bay ligne aérienne nan pour permettre qu'il y ait bay autorisation pour voyager et équipe là qui a joué avec un petit bémol, nous espérons ça pas trop affecter moral joueur. Et c'est regrettable, c'est très 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 dur lorsque on planification qu'on fait et que leur pour faire mise en œuvre là ou pas réaliser le genre côté planifié là. Mais nous était quoi que joueurs, staff technique là qui avec équipe réelle là, même moi n'amène tout qui fait des déplacements par là, mais n'a pas eu de carrière là particulièrement là, que première mission yo c'est performance yo pour exemple délivrer sur terrain football. Mm-hmm. C'est résultat match là, c'est qualification pour prochaine phase là, c'est aller plus loin possible dans compétition là, et nous était quoi que yo pral bay le meilleur de eux-mêmes, meilleur de eux-mêmes ça. Est-ce que la tout mène vers qualification là? C'est ça nous souhaiter. Mais réalité en clair, c'est dans énorme difficulté qu'il faut faire déplacement et malheureusement réalité pays nous pour beaucoup. Mm-hmm. Real du Cap qui est pour tourner dans pays pendant week-end là, puisque nous connais reste match à jouer dans mois septembre et faute de moyens permettre qu'il pas qu'à faire jouer ça dans pays Jamaïque. Première journée à jouer à soir la même et dans week-end là il a retourné et puis par la suite pour retourner dans pays Jamaïque c'est pour le 17 septembre. Prochain match c'est 17 septembre. Exact. Et le 25 septembre il y a bien pour normalement il doit recevoir à Red Garden. Mais vraisemblablement son déplacement il a fait encore. Mm-hmm. D'où logistiquement parlant, c'est ça va être énorme, énormément compliqué pour l'équipe Real du Cap là. Et grand pile monde dans le pays qui qu'on a parlé de football de manière générale qui toujours dit que participation équipe Haïti dans compétition internationale au CONCACAF là, c'est son galère, c'est mm-hmm. c'est son suicide même. C'est comme si que après compétition ça yo, ben là vinn plus dur pour équipe yo. Bon, est-ce que nous carité quand même bon choisir pas participer à soit fait des choix drastiques oui ou envisager. Mais quand même, c'est le sport, on ne peut pas pénaliser le sport. Oui, coach Nato, bon, il a une expérience dans la question administrer club. J'ai été à l'époque Don Bosco, qui a dirigé pendant un bon petit temps. Tu es engagé dans la compétition, ça nous a même qualifié pour la Ligue des Champions de CONCACAF. Pour les gens qui ne connaissent pas, on nous dit phase ça Real du Cap avec une étape jouée. C'est une phase préliminaire pour la qualification pour la Ligue des Champions de CONCACAF. Exactement. Et puis, ils ont éliminé Monet. Il n'y a pas qu'à participer là-dedans. Mm-hmm. Qui donc, il doit faire un bon résultat depuis la phase de groupe. Yo, ça peut permettre qu'il qualifie directement pour la Ligue des Champions pour la zone CONCACAF. Il faut préciser que phase ça paraît un petit peu plus facile que l'époque Valencia de Léogan, qui a joué la Ligue des Champions de CONCACAF, l'époque Don Bosco à tout. Mm-hmm. Pour qui ça? Parce que il y a des équipes du Mexique, par exemple, de pays de l'Amérique centrale, là, par exemple, Mexique, un pays de référence, qui pas d'accord pour y faire phase à yo pour y jouer yo. Pour cela c'est comme si Caraïbes là vingait en phase propre à lui-même mais qui sont qualifications pour la Ligue des Champions en réalité et donc Don Bosco tenait d'en faire pas là lui-même avec déjà en phase Trinidad et deuxième fois nous défait là de jouer deuxième possibilité recevoir pour organiser le Port-au-Prince et la deuxième fois nous jouons une qualification pour la Ligue des Champions ça côté que tu as équipe Monterrey là tu as équipe Bachoy, non, équipe ça, non, non c'est pas d'Abed Gadel, c'était l'équipe de Panama. Mm-hmm. Et, bon, malheureusement, dans la phase que tu as parlé, côté que voyage ça pour le faire là, c'est lorsque Don Bosco était pour monter au Mexique. Mm-hmm. Situation, voyage compliqué, Real saute vivre là, Don Bosco était censé vivre, tout, le pour le monter au Mexique, côté que c'est la CONCACAF au dernier moment qui adressé une correspondance à l'ambassade du Mexique. En Haïti particulièrement, et ils ont tout voyé, liste joueurs ainsi que staff technique là, ce qui fait que un pile monde encadrement dans bord de Moscou pas capable de faire voyager ça avec l'équipe là. Donc c'est seulement les acteurs de premier plan qui sont obligés de faire des déplacements et Real du Cap trouver exactement dans la même situation. Oui, moi, je voulais demander, comme vous avez dirigé Don Bosco dans la période, il était engagé dans la Ligue des Champions de CONCACAF là. T'allais à gauche pour se soulever côté l'équipe qui a participé dans la compétition ça qu'arrivait le fait déficit ou les rentrer comme ben c'est clair
c'est clair, c'est clair. Déjà, football là, quand nous pas, n'est pas rentable, n'est pas rentable. Et institutions, octadoui sponsoriser quelques entreprises privées, y a pas vraiment trouvé garantie, y a pas retrouvé une ambiance football là. Y a pas avantage par eux. Y a pas intérêt. Yo. Donc ça fait que y a très réticent et c'est quelques rares qui font un petit geste de support d'accompagnement pour l'équipe. Yo. Ce qui fait que première l'équipe est obligée à miser beaucoup plus sur s'adapter les barrières, yo, recettes guichets, mais qui est très maigre. En plus, espérer que le gouvernement central t'a fait un geste ou bien quelques particuliers, etc. Et, mais le pour faire préparation, yo, et moyen ça que tu as supposé joindre dans yo, faut souvent ou pas joindre à temps. Mais qu'on y a, faut que voyage en fait quand même. C'est vrai. La CONCACAF bail une sorte de support. OK, mais support ça, il n'est pas suffit pour faire survie équipe là. OK, donc très souvent après compétition ça veut qu'on arrive que équipe là a gagné des dettes et c'est là que bah blessé beaucoup plus pour équipe là. Mais avant même t'as parlé ça avec Père Claudy, gros ami Léo Ganke les Guston Jean-Louis, vous songez et à Valencia. Na époque Valencia était dans Ligue des Champions hein. Pas causé non. Au contraire dans période là, famille Guston Jean-Louis qu'on gagne pour avec tellement la prend moyen pâle pour investir dans le club là alors que pas gagné cap. Ouais. C'est son dépense à fond perdu. Ouais, c'est en parlant des dépenses, on nous dit gagner équipe wana metlan pour nous chavirer avec information pour nous dire OK, équipe wana metlan recevoir une subvention dans mes autorités qui dans gouvernement haïtien qui estimé à 1 million goud et subvention ça li sûrement pour jouer l'équipe là pour capable aider dans dépenses la faire parce qu'il connaît wana met c'est et traverser les voisins pour capable recevoir équipe pour off spin dans la première journée et Caribbean Cup là. Oui. C'est pratiquement même réalité hein, puisque c'est match au fait pratiquement à visite réciproque, c'est pas un siège unique côté que toute équipe réunie ensemble. Et donc comme en Haïti, nous pas qu'à recevoir, nous pas qu'à jouer, eh ben obligé de déplacer. C'est ainsi que l'équipe Port of Spain il a joué avec les Jodian là même. Et dans le palais là, match ça supposé presque fini. OK, et le 18 septembre, il y a quelqu'un pour déplacer encore en République dominicaine pour y jouer face à Moka. OK. Là encore, c'est son très bel apport, très bel support, je petit moyen ça que le gouvernement central mettait disponible pour eux-mêmes non. C'est sûr la aider couvrir en série de dépenses, en série de frais. Mais on a si on a gagné le plus bonheur, oui. C'est sûr qu'il a aidé au mieux dans faire préparation générale pour compétition. Hein. Là, tout bon question. Il n'est pas adressé à Wanamet particulièrement, même s'il n'a pas parlé de Wanamet. C'est est-ce que l'équipe fait des marches à eux dans le temps nécessaire pour permettre que Bayer, là, entre guillemets, il a droit à l'État, il a droit à n'importe quelle institution privée, il a assez de temps devant pour bien préparer le dossier et étudier le dossier et prendre décision de bail support là, support qui est capable d'aider dans faire préparation équipe là de manière générale pour déplacement. Donc c'est soit la question que nous avons pour nous joindre une réponse. Oui, est-ce que tout, c'est pas le fait que le processus prend trop de temps? Bon côté bailleur de fonds, on dit c'est l'État, bon équipe des matchs que vous faites avant même de vous lever dans le trésor public. Quelle que soit institution qu'on frappe pour lui, la bon temps d'étude de dossier quand même. Quand même. Quand même, la bon temps d'étude de dossier. Ou pas qu'à négliger ça, ou pas qu'à banaliser. Donc c'est à vous-même de qu'on y a là pour prendre les devants. Déjà, on dit que ton lacayon qui dit au pied coûte, prend devant. Dans des matchs, c'est vous-même qui avez un pied coûte là. Donc dégage, vous prenez devant. Et marcher dans le plus vite possible pour capable, leur décision à prendre rapidement, soit brusquement, ou t'es qu'étant avant ça. Soyez la tortue, non pas la dièvre. Voilà, nous souhaitons bonne chance et bon travail avec la délégation Real du Caplan qui, pour qu'on y a joué contre l'équipe Police FCA, de même pour l'équipe Wana Metlan qui a joué contre Port of Spain, tous deux clubs sont sortis dans le pays Trinidad, à nous souhaiter les retourner à Haïti. Vous pouvez être capable de corriger KEO, permettre que dans l'autre match qui pour jouer pendant le mois de septembre, pour jouer avec facilité et jouer une meilleure qualification directement pour la Ligue des Champions dans la zone. CONCACAF là. Nous parlons pas les cognats de Real Madrid. Real Madrid, nous connaît pendant la saison ça, qui joue un service Kylian Mbappé. Mbappé 25 ans. L'Eltener équipe Paris Saint-Germain, Mbappé était fait salvelé. Gagné un article que moi li sur Maxi Foot. Qui te parlé sous une déclaration Carlo Ancelotti te fait.
côté il te dit dans Real Madrid pas gain ni prince pas gain ni roi côté l'Mbappé vient dans Real c'est ça ou dit le faire c'est lui pour le faire donc grand pile fanatique qui était quoi et ça qu'arrivé déclaration ça il dérangé Real Madrid il dérangé Mbappé et c'est pour raison ça coach Nato en pile monde estimé ça qu'arrivé Real Madrid vient jouer même avec Paris Saint-Germain côté Kylian Mbappé capable de permettre l'équipe là couper en deux ligne attaque ou bien mi-temps terrain capable séparer so pensé la question est vraiment posée et je me demandé est-ce que Real pas même gain peur ça actuellement que le t'avine transformer en un PSG pendant longtemps lorsque Mbappé Neymar et même Messi pendant que j'étais là t'es dans PSG eh bien, il y a une sensation, commentateur, analyste, il y a une sensation que l'équipe PSG, c'est une équipe qui coupe en deux. À savoir qu'il y a la ligne offensive et puis il y a la ligne défensive. Il y a estimé que attaquant, Neymar, Messi et Mbappé à l'époque, ils n'ont pas participé assez dans la récupération de ballon. Donc, actuellement, là, il y a une question que quelqu'un a posée et même quelques monde voulait avancer que. Peur là censé commencer à installer la carrière dans le sens que avec Mbappé, Rodrigo et Vinicius pour demander est-ce que c'est pas un Real qui va le couper en deux qui va le faire là et lit bonheur en pile pour nous capables affirmer que ce soit ou pas oui ou bien pas non disons positionner dans réponse affirmer que oui Real a comme ça ou bien non que n'est pas comme ça maintenant il faut comprendre que très vite faut que il y ait un travail qui fait et c'est pas sans raison que Ancelotti fait déclaration là savoir que il y a pas de prince et donc c'est des bosseurs c'est des travailleurs son message clair pour Mbappé qui pas gain trop de réputation ça comme bagarreur tout reproche de contre reproche Neymar lui-même dans PSG de reproche Roger Mbappé etc que il pas participé dans récupération hein. Neymar des monde qui t'est marqué beaucoup plus temps c'est monde on a dit qui moins feignant dans yo mais Mbappé et avec statut dans PSG le tap jeune PSG hein, et ben il participait très peu même au niveau de l'équipe de France de la section française il pas monde qui travaille en pile là OK et c'est un exemple. Il n'a rien à voir avec Griezmann, par exemple. OK? Donc, Griezmann, c'est un rude travailleur, Mbappé, pas comme ça. Il est plus finisseur, là. Maintenant, dans la même logique, là, nous avons Guti, et José María Gutiérrez, Guti, ancien latéral gauche en époque, mais qui font bon temps à jouer comme milieu de terrain, milieu défensif, un bel pied gauche. Eh bien, Guti déclarait que Foc Real, ça, t'apprend comme modèle, comme exemple, et équipe Barcelone Guardiola et encore équipe Manchester City Guardiola encore donc c'est comme si je t'avais dit tout simplement que yo choisi bon pas nécessairement by Guardiola équipe là mais adopter méthode Guardiola pour faire équipe ça jouer et méthode ça exactement c'est la récupération rapide du ballon très vite après qu'on perd le et Guardiola travaille en pile sur ça le contre-pressing. Et bien, contre-pressing, non, il y a un principe. Il y a quatre principes. D'abord, c'est pression que vous faites sur l'adversaire là tout de suite que vous perdez du ballon. Donc, ça permet que vous êtes capable de récupérer bien vite. Et il y a même la logique des 5 à 10 secondes. OK? Et il y a même un entraîneur qui travaille pour récupérer le ballon dans moins que 5 secondes là même. Ça est extrêmement important. Déjà, dans la première journée et première ligue là, mon qui t'a suivi face à Chelsea, c'est une d'un côté, Mariska souffri, Chelsea souffri en plus parce que malgré. Et pour qu'on ait tout automatisme, que ce soit pour Chelsea ou bien de Manchester City, l'équipe Guardiola ça, Manchester City, hein, lit très vite et dérangé et Chelsea, donc Mariska, dans le contre-pressing. Hein. Il y a la coordination, savoir que Wolio, il faut que soit très spécifique, il faut que chaque joueur connaisse exactement ce qu'il veut faire et surtout que il fait là. Donc, non sens comme ça, pas qu'un sénateur. Donc, quel que soit côté où il y a, faut travailler. Voilà. Et puis, il y a l'intensité physique. Ça, il demande des conditions physiques. Comme, comment il s'appelle, je ne m'appelle pas, le préparateur physique du Real, monsieur dit que Mbappé, c'est à maximum que le boulot là, c'est 70% de son potentiel physique, peut-être, mais est-ce que ça fait que Gontier ne faut pas qu'à faire? Je ne crois pas.
D'autant que dans la routine, dans l'habitude, il n'y a pas jamais trop de travailleurs comme ça, même si nous connaissons que Rodrigo participe, nous connaissons que Vinicius, son bagarreur de travail, même si monsieur n'a l'autre aspect. Okay? Et en fait, comme quatrième principe, c'est ce qu'on appelle la transition défensive-offensive. Savoir transformer rapidement une situation défensive en une situation offensive, dans le sens que vous pouvez surprendre l'adversaire là pour créer une situation de gueule. Et ça a aussi des atouts qu'on joue en pile dans l'équipe que Guardiola a entraîné. Donc, ce n'est pas sans raison que Guti fait déclaration ça. Là encore, c'est pour faire taquiner, c'est pour fouetter, parce que c'est un Madrilène quand même. Okay? C'est un cadre de Real Madrid qui prend exemple de gros adversaire. Exactement, qui prend exemple son gros rival de Real Madrid, à savoir, yon équipe qui sont adversaires de Real, c'est de Barcelone. En plus, yon entraîneur qui sont catalans. Donc, déclaration n'est pas innocente. Oui. Et c'est peut-être parce qu'effectivement, il y a la peur et que rapidement, ils estiment qu'il faut que nous joignions en solution, en problème, en façon pour résoudre le problème. Ça. Et c'est ainsi que donc, ils ont espéré que le problème ça va arriver. Bon, Ancelotti, c'est le boss, c'est le monsieur. Donc c'est sûr, dans quelques semaines, même si c'est des mesures drastiques qui fait mal à X ou Y, eh bien, il va trancher. Gagne une déclaration Pep Guardiola a fait qui c'est meilleure façon pour défendre c'est gagner ballon. Faut gagner ballon. Est-ce que c'est dans optique ça qui fait Guti mander pour Real jouer comme ça en façon pour gagner possession ballon plus que possible. C'est clair et mais gagner équipe tout coach. Pour Real pas gagner possession ballon sur lui non. Exemple City allez vas-y. C'est qui choix qui j'ai planté. OK. Et sous pas gagner ballon est presque sûr que ou pas qu'à gagner. Sauf que ils ont erreur à passer pendant que vous pas jamais ballon ou font goal. Ça clair. Mais pour avoir la garantie de pouvoir gagner, faut qu'on gagne ballon, faut qu'on gagne possession. L'homme de possession, faut qu'on gagne ballon. Faut quoi faire jouer là. Faut quoi pour jouer. Ballon en pied. Si ballon pas en pied, on pas faire goal. Si c'est adversaire gagne, c'est quoi courir derrière. OK. Maintenant, que Guardiola a dit que ses possessions eh ben les plus tranquilles lorsque c'est lui-même qui gagne ballon. L'Europe coaché l'on a joué tout. Si ballon c'est dans le pio, lié ou à l'aise. Si ballon c'est pas dans le pio, c'est comme si c'est un moment de panique, mais on t'a dit, parce que obligé à chercher ballon ça. Ok? Donc, tout ça explique que, bon, de toute façon, Guti parlait, et Madrilène, yo m'espérait que yo prenne note, et puis ensuite, que Ancelotti joue une solution. Yo. Oui, nous souhaitons ça. On a toujours parlé de Real Madrid, gagné Roberto Carlos, ancien latéral brésilien, qui font gros carrière comme latéral. Information fait qu'on aime si c'est pas mi latéral qui pied équilibré dans jouet là et qui compte défendre qui compte mener attaque eh bien go déclaration le fait côté li bail 5 joueurs pour lui même qui plus marqué ou bien 5 légendes en dans équipe Real Madrid là et parmi les jeunes ça yo qui sur écran Luka Modric Cristiano Ronaldo Zidane et Ronaldo brésilien et puis les mêmes Roberto Carlos qui est pas capable de mettre là-dedans. Et Thibaut là quand nous dit ou pas comment ou pas habiter Kaipe pour mourir sans baptiser. OK. Donc ou tu as dit charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc c'est normal que le mette tête d'autant que c'était un joueur énorme. Donc pas grand monde qui va contester que Bob Carlos mette tête dans l'histoire. Maintenant appréhension diverse, il y a des gens qui sont 100% d'accord avec Carlos, même j'ai des gens qui ont dit ou même là ils ont changé ça etc. Et par exemple on peut se questionner qui comment on fait pas gagner Raoul. Parce que Di Stefano par exemple mais gardez bien pour tout et monsieur bah une liste de monde que qu'ils vivent OK, monsieur vive avec Mounzaïo, monsieur ouais Mounzaïo à l'œuvre alors que Di Stefano n'est pas well. OK. Donc il y a une sorte d'influence de ses sensations, de ses vécus dans ça. Et ça, bon, pas de trop gros discussion qu'a fait sous lui, sauf que appréhension chaque monde capable de passer. Bon l'autre monde qui quand font une liste de 5 et que peut-être il pas mettre Carlos Lagan. Ça fait qu'arriver. OK, même gens ils ont quand même fait une liste, il pas mettre Zinedine Zidane là-dedans. OK. Et on a dit que si on prend petit monde qui gagne moins que
moins que 15 ans, 17, moins que 17 ans pour être plus clair, qui a découvert, qui a compris le football aujourd'hui. Il n'y a pas de Raoul là. Il n'y a pas de Raoul du tout. Et il y a certainement une forte mémoire de Toni Kroos. Il y a une forte mémoire de Modric, par exemple. Pendant que il n'y a pas trois contre Bob Carlos. Oui. Donc, c'est ça qui a une petite relativité, mais Luis Carlos là, il est probant, il est sensé. Oui, il est acceptable. Il est acceptable. Bien que moi-même, je plains un peu sur Raoul González Blanco qui doit là. Il n'y a pas de légende. Juste retirer l'autre. Mettez-le même, vous laissez un classement pour là. Eh bien, on a fait ça pendant la pause là. On a proposé la tournée. Désormais, vous avez plusieurs options pour regarder Télé Soleil. Un nom de clair sur la chaîne 25, sur le bouquet Télé Haïti, mais aussi sur New TV. Pour les accros des réseaux sociaux, suivez-nous sur notre page Facebook Radio Télé Soleil et notre chaîne YouTube Radio Télé Soleil. Amis de la diaspora, vous pouvez nous regarder sur HLN ou télécharger l'application de Radio Télé Soleil sur Google Play Store ou Apple Store. Eh oui, le soleil se lève partout. Partout. Voilà, bienvenue mesdames, messieurs, dans la dernière partie Ola Sport sous Télé Soleil. Chaque soir 8h, c'est ça rendez-vous. Nous invitons à regarder l'émission ça sur la télé, sous télévision, sur YouTube, sur Facebook, sur page officielle Radio Télé Soleil. Ou à joindre Ola Sport sous Télé émission pendant la journée, en reprise le matin à 9h30 ou bien à 8h. Ou capable de quitter question pour nous et nous vraiment content de répondre. Dans l'émission ça, nous pourrons parler pour qu'on y a de Cristiano Ronaldo hier qui battit un record comme youtubeur, pas seulement comme footballeur, tout ça mettait record et avec une chaîne YouTube qui li mettait sur plateforme yo, Cristiano Ronaldo qui fait 10 millions abonnés dans moins que 24 temps. Et chaîne YouTube ça, il mettait des vidéos, des documentaires qu'il fait sur la ville, la vie familiale. Et Cristiano Ronaldo même recevoir plaque YouTube li, tellement monsieur fait buzz avec décision ça qu'il te prend pour te mettre channel YouTube ça sous pied. Continue à tout ou pas penser c'est parce que c'est ça Ronaldo voit faire et qu'on s'abat. La réponse est évidente, c'est clair que si nous avons un monde dehors là, dehors Télé Soleil là, pour les créer ça, il n'y a pas besoin de même répercussion. Cheminement pas même, donc sa valeur comme personne, ça le représenter comme sportif, et aura que le gagne, tout ça a joué en faveur lui. Donc il n'est pas étonnant dans aucun sens. Cristiano Ronaldo a fait causer sur les réseaux sociaux et pendant ce temps, il a tout demandé à abonner avec la chaîne YouTube Radio Télé Soleil là. Et en façon on a fait 100 000 abonnés nous-mêmes, même que Ronaldo lui-même qui était dans 10 millions, mais n'a pas croqué mais nous côté arrivé. Nous parlons pas les Kounia sous question Académie Football qui gagne en Europe. Gagne un pile monde qui bail un pile mérite avec Castilla ou bien Masia pour équipe Barcelone là. Gagne un classement qui fait sous Académie Football qui bail plus bon athlète et coach Nato. Dans Académie ça nous c'est Real Madrid qui est premier, qui bail plus joueur football, qui fait gros carrière en Europe. Deuxième, nan, c'est Barcelone qui bail 64 gros footballeurs. Et puis Ajax, nous connaissons le pays la Hollande, il y aurait même dit ça. Depuis que Ajax n'est pas bon, et qui Hollande est même tout, pas bon. Et puis, comme l'autre club qui bail plus joueur, pendant la période ça, c'est Étoile Rouge Belgrade qui sortit. Dans le pays Serbie, Benfica dans le pays Portugal, c'est parmi club ou bien parmi académie football qui baille plus talent. Coach Natou, ou gardez un pile footballeur, un pile joueur passé dans l'académie ça yo, et pendant jour ça yo nous Masia baille un pile gros footballeur pour nous citer Pedri, Gavi, pour ne pas aller trop loin. Est-ce que classement ça paraît réalité coach?
Généralement, classement joueur, classement académie, centre de formation, les plus aller dans qui quantité joueur qui sortit la caillou qui actif. Ça veut dire dans différentes compétitions qu'a joué qui quantité là qui actif. C'est ainsi que sous classement soit parlé à Real Madrid paraît en première position parce que lui-même il gagne 67 joueurs qui actifs pour le moment là. Que joignent qui formé dans la Castilla. Et Barcelone lui-même Ligue 64 qui formé dans la Masia et ainsi de suite. Mais Ligon c'est pas pareil qui comme tu as dit qui stable, c'est pas qui dynamique dans le sens que pendant longtemps nous connait ça que Ajax d'Amsterdam, c'est une équipe qui était a dominé classement dans sa crêle et formation hein. Et pas longtemps on était en octobre de l'année dernière. Sensiblement dans la troisième semaine mois d'octobre, il y a SIA, son instance qui fait statistiques et évolue sur l'école, alors centre de formation, qui était un rapport qui dit que dans l'époque, ça, il était décompté que Ajax d'Amsterdam, lui-même, il était gagné pas moins que 86 joueurs actifs dans différentes grandes ligues. Donc pour le moment, classement ça, Libye que c'est Real Cap Dominel. Et Barcelone en deuxième position, Ajax dans tête classement quand même en troisième position. Nous gagnons Étoile Rouge de Belgrade, qui est venu tout de suite après Ajax avec 60 joueurs. Nous gagnons Benfica, qui est en quatrième position. Mais pendant la quatrième position, Benfica a gagné. Renommé ça de meilleur centre de formation, meilleure académie à travers le monde par rapport à la qualité du travail qui a fait là et opportunités qui offrit, etc. Donc là, pour que vous compreniez tout, le classement ça, il faut aller dans un angle, ce qui axe que vous travaillez. Par exemple, si c'est sous travail qui est de formation, vous pouvez jouer dans le classement. Si c'est une présence de joueurs, de produits sous marché dans différentes ligues qui jouent, vous pouvez jouer dans l'autre classement. Et Manchester City, dans le classement ça a tout. Et puis, il y a un partisan de Belgrade qui clore le top 10 dans le Dakar. À nous dire, City qui est là-dedans, c'est peut-être. Sous période Guardiola, parce que nous connaissons pendant Guardiola fait arriver là, remporté 6 premières ligues, d'ailleurs c'est lui-même qui a remporté 4 dernières éditions. Parce que dans 4 dernières éditions que City a remporté avec Guardiola dans la tête, là, c'est peut-être ce résultat joué dans l'école football là, c'est ça qui fait City capable dans le top 10. Là. Mais tout, son classement est fait coach par rapport avec 58 ligues qui gagnent, ce résultat est prend pour. Club ou bien académie qui va plus jouer. Qui a joué dans différents ligues. Oui. Yeah, exactement. Conti bémol quand même. Et, si City ne doit pas remporter la première ligue, écho que l'on a pendant au moins 4 dernières années, ça. City ne doit pas gagner. Et puis, dans le classement, il est dominé quand même. Moyennant que les joueurs qui formaient dans le centre de formation, ils sont présents à jouer, ils sont actifs. Non, différentes ligues qui ont joué compétition européenne d'ailleurs. Bah c'est ça. Gagné Gundogan qui gagne 33 ans allemand avant hier qui t'ai metté fin dans carrière internationale, ça veut dire pas bien jouer encore pour sélection allemande là. Et il était voulu retourner dans City. Et formation t'ai gagne doute sur lui parce que il pas fait plus temps à Barcelone seulement une saison et nous connaît Chifio, il était maigre pendant Gundogan revenait dans l'équipe catalane. Et bien ça qui passé, il joue un contrat avec dirigeant City pour capable faire une saison et puis étudier possibilité pour yoé si ou ta va prolonger contrat. Gundogan retourne dans City, qui ça ne ca espérer coach Nato. Et c'est pas tout le temps que un comeback fait et que li productif. Mais ça qui arrivé que résultat yo révélé yo probant yo révélé yo intéressant. Toutefois, il n'est guère à démontrer que Gundogan sont super joueur de football. Et peut-être que c'est le joueur qui a manqué à Guardiola, à Manchester City de la saison dernière, 23-24. Okay? Parce que, dans un sens, Ilkay Gundogan n'a importance li, l'animation offensive Manchester City avec Guardiola. Importance li nan contre-pressing nan que n'a pas parlé pour équipe Guardiola et on avait senti ce manque pendant la saison qui s'est passée hein.
Et est-ce que Gundogan t'es présent dans demi-finale là face à Real, est-ce que ça t'a changé donne là? Pas nécessairement. Mm-hmm. OK, parce que Real t'es bien réussi et projet Ancelotti. Mais c'est clair, c'est son bon retour là pied pour équipe Guardiola. Et même si monsieur pas ta titulaire, mm-hmm. à chaque fois que l'entraîneur match la porte en plus. Là pas problème. On nous dit image n'a gardé dans le nom là, ça c'est image qui prend hier soir. Côté Oti, ouais, Gundogan t'a parlé avec Pep Guardiola pendant environ 50 minutes. C'est sa information révélée. Et logiquement, Gundogan tourne dans City. En nous étant pour nous, ça prend le bail pendant la saison en la première ligue là. Et même dans la Ligue des Champions, parce que pour saison ça encore, City favori pour remporter la première ligue là. Et c'est le gros favori tout pour la Ligue des Champions. Hein, parce qu'il y a une grande question des favoris naturels qui ont parlé. Comme quoi, avant la saison a commencé, il n'y a pas même tenu compte des matchs qui jouaient. Mais lorsqu'un club qui gagne, on ne peut pas faire favori pour la Ligue des Champions, on ne peut pas mettre Real Madrid. Quelle que soit la forme, c'est même Jean tout, City prend statut ça. N'est-ce pas, coach? Oui, c'est évident, c'est évident. Performance Manchester City depuis Guardiola là particulièrement, et fait de lui et un candidat au titre de champion d'Europe. Même si, je n'ai pas oublié, c'est pas un bagage, c'est pas une mission facile. S'il était facile, en plus l'autre équipe t'a remporté déjà. PSG t'a remporté. OK. Et c'est clair, je pense que c'est un plus gros adversaire que Real capable de gagner à Nézala, c'est Manchester City. Et même genre, il y a un plus gros adversaire que Manchester City, logiquement, a gagné, c'est Real Madrid. OK. Et Kai Gundogan, c'est sûr, l'a porté un bel apport. Surtout que, pas oublier, City. Séparé, disons perdu, Julian Alvarez, qui est allé dans l'Atlético, et dans le registre côté normalement Gundogan supposé entrer dans l'équipe là, c'est position que Alvarez était capable de très utilisé pendant la saison, surtout que point d'ancrage a toujours été Erling Haaland, qui n'est pas tombé sauf s'il t'a blessé. Ok, donc c'est indiscutable, c'est le titulaire du poste. Donc, Mounsa Kap sorti de l'arrière avec une vague offensive là pour venir appuyer sur Alan et joindre position, fixation, joindre rebond et potentiel et tir de loin ou fait passe qui perforer défense pour perdre le col en fait là. Gundogan gagne tout à tout ça. Ajouté avec ça que. Kevin De Bruyne gagne plus Foden, ou bien nous gagnons à l'extérieur maintenant Doku, même le Grealish tout, même petit brésilien qui fait venir là Savinho qui même envie bah un semblant de Riyad Mahrez d'autant qu'il porte le même dossard. Donc c'est de belles atouts. OK, c'est un pile bagaille qui est utile. Donc bah c'est Gundogan retourner la Kaili. Et il n'y a pas besoin de trop de temps pour l'adapter. Pour l'adapter, voilà. Et ce sera un plus pour Guardiola. Et Guardiola t'a dit ça, t'a dit que c'est le monde qui manquait dans l'équipe, ça, c'était Gundogan pour la saison passée. Et quand il y a les gains, je pense que pour la saison ça, l'équipe City en Tadoué est arrivée dans le dernier carré et Ligue des Champions. Pourquoi pas? Ah oui. Malheureusement, nous arrivons dans le moment pour mettre fin à Olas Popoasoya. Merci en pile avec toute l'équipe technique Télésoleil. Merci en pile tout avec Père Claudie. Et Duclerville qui toujours est coordonné au La Sport chaque soir à 8h sous Télé Soleil. Merci un peu tout, coach Nato qui est d'accord chaque soir pour commenter l'actualité avec nous. Merci Willard pour nous prendre ce passe ensemble. Merci à tout le monde qui t'a suivi nous et bonne soirée. Oui, bonne soirée tout le monde. Hola Sport, bonsoir tout le monde. N'ap vini pour nous décrypter, commenter et analyser tout ça qui est fait dans le sport. Eh bien, pas rater Hola Sport chaque soir à 8h sur Télé Soleil.